Destroyer. C'est pas notre faute si on n'a pas fait de vidéo hier. Non, non, c'est la faute de Nathalie. Oui, et Ethan. Oui. Son fils, parce qu'ils sont venus à Bangkok exprès pour nous voir, deux abonnés. On pouvait pas faire autrement que de passer la journée avec eux quand même. Ben oui, on leur a fait une visite qu'on avait déjà effectuée, mais bon. On n'allait pas refaire la même chose. Non. Et puis le but c'était de passer du temps avec eux. Exactement. C'est aussi ça, oh c'est beau. Oui. Et oui. La rencontre de ses abonnés. Aujourd'hui, nous allons nous promener en ville. Ouais, c'est ça, on n'a pas vraiment de but bien spécial. On va se balader. On a une petite mission qu'on va accomplir immédiatement. Ouais, on en a une seconde, on a quelques petites missions même. Oui, donc ben, on a des trucs à faire, tu dis. Oui, mais on n'a pas un temple. Enfin, non, voilà, y a pas de... pas de temple aujourd'hui, pas d'histoire. Oh là là, je sais pas ce que tu vas nous raconter. Bah, je sais pas non plus. Bon, on y va, ça va fermer. Bon. Allez. Allez, Mamour Info. Oui, des ascenseurs incroyables ici dans ce hall. Ici, vous avez un clavier, 5 ascenseurs. Je souhaite aller au second étage, j'appuie au 2. Tac, je patiente. Il faut que je me rende à l'ascenseur B, qui se trouve juste là. J'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qui se passe, Mamour? Tu vas à la clinique? C'était pour te faire un petit lifting. Ah, et j'en ai pas besoin, je suis nickel moi. Et non, pas du tout. Les cartes postales pour les tipeurs. La poste est juste on ici. On l'a enfin trouvé. Ouais. Compliqué, hein. Et oui, on est obligé de revenir sur chaque market. C'est l'instant shopping, on a jeté 2 t-shirts. Et là, je pense qu'on devrait trouver notre bonheur à moindre frais. C'est le monde de la frite, maman. Du coup, il y a trop de choix pour moi. Moi, je m'en sors pas. Ah ben voilà. Oh, je vois que t'as pas trouvé ton bonheur, t'as gardé ton t-shirt. Ouais, pour le moment, ouais, on n'est pas encore parti, mais non, rien d'intéressant, en tout cas pas pour moi. Et voilà, maman, j'ai trouvé mon bonheur, tout va bien, pas de la frite. Combien ce t-shirt? Le t-shirt, oui. 4 euros. Ça va? C'est correct, tout simple, hein. Fallait se douter, hein. Un col V, tout gris, rien de bien folichon. Oh bah mince, et moi ça me convient. Eh ben parfait mon Wiki. Et oui, c'est dans ce petit restaurant de rue que nous allons prendre notre repas de midi qui sera du riz blanc et du poulet blanc, tout simplement, avec une petite sauce et un petit bouillon. Je pense que c'est un restaurant italien. Wiki, Wiki! On s'est régalé, n'est-ce pas? Ah, c'était très très bon. Et puis cette petite sauce là, versée sur le riz et sur le poulet, bien sûr, excellente. C'est la première fois qu'on nous la propose. Tu veux connaître le prix peut-être? Oui. Je vais arrêter de le dire, hein. 2,70€, c'est tout le temps le même. Il est temps qu'on vous dise un petit peu ce qu'on trouve ici sur le marché de Chatouchak. Ici, par exemple, des chaussettes, des tasses avec une date dessus, des pochettes éléphants à 20 bahts, des petites magnettes animaux pour seulement 40 bahts, des casquettes à 139 bahts, un petit sac Ikea pour 300 bahts, pour le petit dernier, un t-shirt 7-Eleven pour 50 bahts, un cochon pouet-pouet pour votre chien à 180 bahts, des magnettes à 20 bahts, des pyjamas shorts de Scoopy à 100 bahts. À Chatouchak, on trouve aussi énormément de bruit, une fontaine, un 7-Eleven et des glaces. Et à défaut de trouver
un papillon, j'ai trouvé un panda. C'est bien aussi. Oui, c'est bien aussi. À cette occasion, nous remercions le tipeur du jour qui n'est autre que Patrick. Patrick, merci. Grâce à toi, on se régale avec cette bonne glace. On t'entend bien, Lilo. On se croirait sur une fête foraine. Oui, tu m'as dit crie parce qu'on va pas entendre. On sinon, t'entend bien. On fait comme d'habitude, vous lisez sur mes lèvres. Je recommence en langage des signes. Patrick. On traverse la rue jouxtant le marché de Chatouchac. Dis donc, jouxtant. C'est du high level le vocabulaire. Ouais, et on se retrouve paf dans le parc de Chatouchac. Ouais, un peu de verre, oui. On va respirer, ça va faire du bien. Donc, un peu moins de bruit. Il y a un parc pour enfants, il y a des oiseaux pour faire des belles photos. J'ai vu parc ornithologique. Ouais. Des cascades, enfin des cascades, des... Pchit, comment ça s'appelle? Les jets d'eau. Ouais, c'est ça. En espérant qu'il y ait de l'eau. Ouais. Il y a les oiseaux en tout cas. Ouais. Sort ton appareil photo. Petite verdure au cœur de Bangkok. Surtout, on est au calme. Oui, ça change de Lumpini et Benchakiti. C'est ça, Lumpini et Benchakiti, Mamour, tout à fait. Il y a aussi le parc de Chatouchak, qui est tout aussi sympa. Il y a plein d'endroits pour se poser au frais. Il y a des fontaines. Oh, attention. Vous avez vu les risques qu'on prend? Oula. Oula. Là, Mamour, tu le fais exprès attention, ou quoi? Attention, les gens. Sérieux. Oh là là, mais quelle aventure. C'est un carnage, ton truc. Non, ce parc est vraiment très chouette. Maintenant, ce que je te propose... Boire un verre? Ah oui, j'en peux plus. Oui, là, la bouteille d'eau, on l'a liquidée. Elle a été balée, ouais. Eh, mais ça, c'est pas des boissons, hein? C'est qui m'a dit de s'arrêter ici? Ben, c'est toi, ton wiki intérieur, je peut-être. Je pense que t'as vu qu'il y avait du chocolat, de glace chocolat, et du coup, t'as dit, on s'arrête. Comme convenu, maman. Comme tu as commandé, petite au chocolat, et petite vanille chocolat, ou moyenne, je ne sais plus. Ouais.
Wiki, c'est bon là, ça fait 15 bornes qu'on marche, on va à l'aéroport ou quoi? Non, on va pas à l'aéroport, maman. On se rend à la nouvelle gare ferroviaire de Bangkok, Bang Sue Wan Station. Mais le métro se situe à 1,5 km. Bon, déjà, on n'y est pas allé. Je vois des bus là. Oui, donc je pense qu'il doit y avoir des bus. Mais bon, on était au Chatuchak Market et on a décidé de s'y rendre parce que c'est pas si loin que ça, 2 km, maman. Non, mais 2 km plus les 15 qu'on a déjà fait. Il faut qu'on aille voir pour nos tickets de train pour lundi, maman. Oh là là! Oh là là, exactement! Oh là là! Ben la prochaine fois, puisque c'est ça, on fera un urbex train, c'est juste là. Ça sera ta punition! Si tu veux, on reviendra donc au même endroit, on fera 2 km à pied. C'est immense! Oui, c'est que le hall d'entrée! Et en plus, pour me faire plaisir, ils m'ont mis une horloge, bravo! 16h37, c'est à l'heure en plus! C'est gigantesque. Un truc de malade. Bah, même les aéroports, ils sont pas aussi grands. Ah non, certains n'en sont pas aussi grands, ça c'est sûr. Comme celui de Nice, par exemple, il est pas assez grand. Non, mais c'est impressionnant. Ouais. C'est démesuré, en fait. Alors, tu peux nous en dire plus? Oui, je peux, mais j'ai pas envie. Non, je déconne. Donc, nous avons nos tickets de train pour le 6 mars. Et oui, nous sommes le 4 à destination de... je ne vous la donnerai pas. Nous avons payé 399 bahts pour à peu près. Deux. 398, 199 par personne. Donc, 199 bahts par personne, ce qui fait environ 5 euros et des brouettes. Ouais, 5,40 par personne. Voilà, et des brouettes. Bon, ben, rendez-vous le 6 mars, la vidéo s'arrête là. Non, je plaisante, vous emballez pas. Maintenant, tu me trouves un bus pour rentrer, hein, je rentre pas à pied, dépêche-toi. Ah ah, il n'y a que des taxis. Ils sont pris, enfin, il y en a que celui-là, et il est pris, regarde, par une personne en plus en fauteuil roulant. On va quand même pas y voler son taxi. Moi, je te propose de partir dans cette direction. Non, alors même pas en rêve, on vient de là, on vient de se taper 15 bornes. Tu fais comme tu veux, tu te débrouilles, je rentre pas à pied. Ben monte là, il y a un bus qui arrive, monte dedans, tu verras bien où t'arrives. J'attends, hein. Eh oui, je sais, j'en ai trouvé un, mais il faudra patienter toutes les 15 minutes, maman. Quand même, fais comme tout le monde, patiente. Oui, j'ai cru qu'il voulait pas nous prendre. Mais si, c'est bon, tout va bien. Combien tu as payé, Wiki, pour ce trajet? Pour une personne, 15 bahts, 40 centimes. C'est quand même pas donné, hein. Non, pour 2 km. Eh oui, on aurait pu les faire à pied, hein. Oh, Nini, elle était fatiguée. On n'a pas arrêté de marcher, on a fait 20 km, j'ai regardé sur mon téléphone. Et alors? Je suis esclave de toi là. C'est quasiment l'heure de manger là, hein, quand tu saurais pas. Can you say Yen Yen? Yes, Yen Yen. Yen Yen, yeah, it's me. Thank you. Yeah. Maman, j'ai gagné une boisson parce que j'ai dit Yen Yen. C'est bien, maman. Toi aussi, tu veux gagner une boisson Yen Yen, tu n'as qu'à crier Yen Yen. Oh que non, moi je vais me prendre un jus de frais frais, il y a plein de stands là. T'as pas crié Yen Yen? Non mais j'en aurais pas, t'inquiète, je vais me prendre autre chose. Donc Yen Yen, on en avait déjà pris. Avec Yen Yen, je me sens bien.
C'est une boisson fraîche, c'est un thé avec plein de plantes à l'intérieur. C'est bon pour le corps. Tu non mais t'inquiète, la jeune femme là-bas, elle fait tout ce qu'il faut, elle fait la promo. Bon, je goûte quand même. C'est très très bon. C'est vrai, c'est très très bon. Laissez-vous tenter par Yen Yen. Alors on ne sait pas ce que c'est, on pense que ça doit être des genre des curry avec des pâtes. On va se faire un petit plateau. Madame est servie. Alors, assieds-toi, je t'en prie. Tiens, je t'ai pris des couverts. Merci. C'est pas mal non plus. Qu'est-ce que tu as pris toi donc? C'est un curry de poulet. Oui. Il y a aussi du sang coagulé, vermicelle de riz. Et je vais agrémenter avec concombre, pousse de soja, ça va le faire. Et toi, ben, je ne sais pas trop ce que tu as pris, mais c'est un curry, mais dans ce cas, il n'y a que le jus, quoi. Oui, c'est ça. Ça fait comme des spaghettis au curry, quoi. Ouais, d'accord, ouais. Alors, oui, tu t'étouffes. Ça va être travers. Ouais, c'est bon. Putain, j'ai cru qu'on allait te perdre en direct. Oh non. Alors tes yeux. Je reste parce que je sais qu'il ne peut pas tousser. Je ne peux pas parler pour l'instant. Une fausse route, c'est pas marrant. Alors une fausse route avec du curry. Une fausse route à ton âge. Ouais, c'est ça. Oh non. Soyez tous rassurés, hein. Wiki a terminé son assiette, il a repris des couleurs. Oui, hein. Bien sûr. J'avais les travers, ça arrive à tout le monde, maman. Et vous savez pas quoi? Il finit son assiette, il dit, on mange une glace maintenant? Vraiment, hein. Et oui, parce que c'est à base de lait pour faire partir le piquant, quoi. Et après la glace, il m'a dit, après on ira quand même acheter des bonbons au 7-Eleven. Ah bah oui, parce que si j'ai pas de force pour faire le montage, il y aura pas de vidéo demain. En fait, c'est pas vrai, il m'a rien dit du tout. Depuis tout à l'heure, j'invente et lui, il me dit, ah ok, il est en train de réfléchir et de se dire. Donc ah, là, je sais que je récupère une glace et des bonbons. Ouais, non, mais c'était, j'ai pas pour, tout perdu. C'était pour parler en fait. Ouais, c'est ça. Ah, pourquoi t'as rien à dire, sinon tu c'est ça. Tu as échoué. Si le parc de Chatouchak est très très bien, il est ombragé comparé à Lumpini, qu'il est un peu moins malgré. C'est vrai, c'est vrai. Encore plus que... Benchakiti. Ouais, celui-là, il est en plein soleil. Ouais. Il est sympa, mais en plein soleil. Voilà. Par contre, on ne retrouvera pas de Varan dans ce parc. Oui, ceux qui non, veulent voir les Varans, c'est à Lumpini. Exactement. Ensuite, la gare, si vous devez vous y rendre, eh ben, je vous souhaite bien du courage, hein, parce que non, je pense qu'il loin. Suffira juste de prendre un bus, mais pas le métro. Sinon, on n'arrive pas aux abords de la gare. Oui. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Comme c'est ce qu'on fera lundi. Exactement. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit bonne nuit les petits. Ça fait deux fois que tu me bidouilles ma piscine, mon heure de piscine. Hein. Oh là là, t'as qu'à y aller le matin. Oui, à 6h. Tu dors. Je dors.